On va trouver Léo Sachimana, qui est troisième aux Jeux Paralympiques. Aujourd'hui, on est à l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris. Et on est ici dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Et on est venu avec Loïs Léger pour donner un cours, rencontrer les jeunes judokas de la section et peut-être des futurs champions. Ma main qui revient, elle va venir hop, pêcher. Et je vais mettre mon partenaire en déséquilibre avant. Et là, je vais venir me tourner, mettre ma jambe et hop. L'Institut national des jeunes aveugles est un établissement à caractère médico-social qui accueille une centaine de jeunes déficients visuels de la maternelle jusqu'à la terminale, à la fois pour qu'ils suivent une scolarité normale, puisqu'on a un service d'enseignement qui propose le même programme pédagogique que dans l'éducation nationale, mais aussi on les accompagne à la fois sur la partie soins, acquisition de l'autonomie et médicale également. On a échangé, ils nous ont posé 2-3 questions pour en apprendre un peu plus sur nous, sur la vie de sportif de haut niveau, la préparation aux compétitions. L'activité judo est pratiquée à l'Institut depuis un petit peu plus d'un an, avec à l'initiative d'un éducateur qui aime beaucoup le judo, Franck Jouest. Et le partenariat a été amplifié avec la signature l'année dernière d'un partenariat avec le comité de judo de Paris qui met en place un cours avec un éducateur spécialisé diplômé en judo une fois par semaine ici et un deuxième cours que nos jeunes pratiquent dans un club d'inclusion et en l'occurrence c'est le club du Racing qui est situé dans le 7e arrondissement, pas très loin d'ici. Salut.